les gourmandises. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de gâteau décoré sur le thème monstrueusement horrible d'Halloween. Orage, effet sonore, voix qui fait peur. Et ce sera un gâteau juste trop mignon, mais quand même dans le thème d'Halloween, parce que ça s'appelle un Cookie Monster, et c'est un bonhomme mangeur de cookies. Vous allez voir, il est hyper sympa et il égayera un petit peu nos horribles tables d'Halloween. Allez, suivez-moi, c'est parti! Et pour le gâteau, il nous faudra du beurre mou, du sucre, du Philadelphia, de la farine, des œufs et de l'arôme de vanille. Dans le bol du robot, on verse le beurre, le Philadelphia et le sucre. On fouette le tout jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. On ajoute les œufs, l'arôme de vanille et on termine avec la farine. On récupère un moule beurré demi-sphère de 15 cm, on le remplit et ensuite ça part en cuisson. Pendant que le gâteau refroidit, on réalise la crème au beurre rapide avec du sucre glace, du beurre mou, de l'arôme de vanille et du lait. Dans un bol, on place le beurre mou et le sucre glace, on va fouetter le tout, puis on ajoute ensuite progressivement l'arôme de vanille et le lait. Et bien sûr, pour un Cookie Monster réussi, je colore ma pâte en bleu. On réserve notre crème à température ambiante, puis on commence la déco avec de la pâte à sucre beige, blanche, marron et noir. On commence par faire les fameux cookies, et là ça se passe de commentaires, tout se fait en images. Avec les enfants dans les pattes, pour ma part, j'ai pas réussi à sauver les cookies, mais moi je vous conseille de glisser dans la bouche de Cookie Monster des vrais cookies, comme ça il n'en sera que meilleur. Nos petites décos sont terminées, on s'attaque maintenant au montage. On commence par faire une entaille dans notre gâteau, ce sera la bouche de Monster Cookie où on va glisser les cookies. Ensuite, j'ai placé ma crème dans une poche à douille munie d'une douille à petits trous. Ça va faire l'effet poil de notre gâteau et on va tout simplement pocher la crème sur l'intégralité du gâteau. Bon, je vous l'avais dit, hein, il est pas juste trop mignon Cookie Monster. Moi j'adore ses petits yeux, son petit pelage bleu, les petits cookies. J'ai envie de lui faire plein de bisous, mais bon, va quand même falloir le manger. C'est là qu'on rentre dans la phase un peu plus sadique d'Halloween. J'espère que cette vidéo recette décoration de gâteau vous a plu. Si c'est le cas, on me laisse tout plein de pouces de la couleur de Cookie Monster sur la vidéo. Vos avis en commentaire juste en dessous. Puis moi je vous fais plein d'horribles gros bisous d'amour et on se retrouve très bientôt. Je vous aime. Ciao. Et viens apprendre à faire le gâteau qu'on avait fait pour l'anniversaire de Swan.